Je viens apprendre la menuiserie car j'aimerais bien faire mon métier. Vous êtes déjà sur le terrain, ça doit être passionnant. Ah ouais, c'est super. J'aime beaucoup ça, donc c'est bien de partager avec ceux qui savent bien ce que c'est la menuiserie, pour qu'ils m'apprennent. Vous savez que Saint-Joseph était menuisier? Ah non, je savais pas. Oui, on vient de terminer de magnifiques portes pour le monastère. On est, comme je le disais, depuis trois générations sur Pumisson et on continue ce qu'avaient commencé nos ancêtres. Tout simplement, voilà. On est très content d'avoir participé au chantier du monastère. Allez, donc on va mettre Bonjour. Alors bonjour. Vous êtes venu livrer les portes? Voilà, c'est ça. Moi, je travaille à la menuiserie de Long, juste en bas, là, dans le village. Et on a livré les portes cet après-midi. Donc, pas mal de petites et une bien grosse, une monumentale. Donc, voilà. Vous avez une idée du poids, à peu près? La grosse doit faire bien dans les 160 kg, c'est sûr. Et les petites, un peu moins, 110 kg. Quel est le bois utilisé? Ça, c'est du chêne. Donc, c'est un bois solide, c'est un bois dense et noble. Donc, c'est pour ça qu'on a pris du chêne pour réaliser cet ouvrage, simplement. C'est pas trop difficile à travailler? Le plus difficile, bien sûr, c'est les cintres, sur les huisseries et sur les traverses des portes, des ouvrages. Mais... Ça va, après, il faut avoir l'habitude, il faut connaître. Donc, comme on a un employé qualifié pour ça, c'est lui qui le fait et tout est millimétré. C'est peut-être pas tous les jours que vous avez l'occasion de travailler pour un monastère. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente déjà, on est déjà très, très fiers, très contents, parce que c'est du travail quand même qui nécessite un savoir-faire et ça nous permet à nous de faire des pièces qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et même si notre travail est particulièrement ciblé là-dessus, mais on est vraiment très fiers d'avoir fait ces réalisations.